Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo tirage au sort avec 2 jours de retard. Comme d'habitude, j'arrive jamais à faire le tirage au sort le jour que j'avais prévu, mais bon, c'est pas très grave. Donc, du coup, c'est pour gagner la grille Point de Croix. Donc, c'est la série de vidéos que j'ai nommée Choisis et gagne et que je ferai donc très fréquemment. Au début, je voulais le faire une fois par semaine. Mais je me dis, comme le but c'est de le faire aussi, de moi faire la grille aussi que vous avez choisie, ça va faire beaucoup d'encours. Donc peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je ne sais pas encore. Ça dépendra aussi en fonction des grilles choisies, si c'est un petit truc ou un gros truc. Si c'est un petit truc, je sais que je peux me permettre d'en faire un dans pas très très longtemps parce que je l'aurai facilement fini. Du coup voilà, cette nouvelle série de vidéos. Que je trouve génial, comme ça, en fait, moi, ça m'évite de devoir choisir un nouveau projet parmi tous mes favoris Etsy. Vous, ça vous fait une grille gratuite que vous choisissez dans mes favoris Etsy. Le créateur est gagnant parce que du coup, j'achète 2 fois la grille. Et je me dis aussi que voilà, moi, ça me permet peut-être de sortir de ma zone de confort. Enfin, après, tout ce qui est dans mes favoris, je kiffe. Mais c'est vrai qu'il y a des toiles que je kiffe, je dis ah bah je la ferai plus tard ou machin. Et du coup je trouve que voilà, et même pour vous, ça vous permet aussi de trouver des nouveaux créateurs. Donc en fait dans l'histoire tout le monde est gagnant. Je trouve que c'est vraiment génial comme idée, en toute objectivité. Du coup, alors je vais baisser un petit peu. Tac tac tac. Attendez. Est-ce qu'il faut que je mette mon mot de passe? J'avais oublié que maintenant il faut se connecter là sur le site de tirage au sort, on ne peut plus le faire sans être connecté. Donc, hop. Voilà. Suivant. Suivant. Mais je veux juste me connecter. Hein. Hop. Ok. Mais je l'avais déjà associé, logiquement. Mais bon. Ok, c'est bon. On va voir si ça marche. Tchac, tchac, tchac. Donc du coup, on va d'abord regarder qui cette fois-ci donc va pouvoir choisir ma toile. Donc on a tous les commentaires. Alors je sais que j'ai vu une ou deux personnes qui ont commenté sans vouloir forcément participer. Donc ça tombe sur ces personnes. On refera tout simplement le tirage. Et puis voilà. Donc du coup, c'est où que je clique? Je sais plus. Là, confirmer. Bah alors. Bah oui, confirmer. C'est ce qu'il y a une pub sur le truc pour commencer en fait. Mais c'est débile. Allez, bouge. Supprimer la publicité. Voilà, ok. Et en fait, il faut que je clique sur début. Mais si on met la pub sur les boutons, je veux bien qu'il y ait des pubs sur les sites gratuits, mais il y a des limites. Et du coup, c'est Caroline Demeure qui donc va devoir choisir une toile. Alors, donc du coup, comment ça se passe? Je remettrai le lien de mon profil Etsy dans la barre d'infos, mais je pense que du coup, je l'avais mis dans la vidéo du concours. Donc la personne a déjà jeté un oeil. Je l'ai mise ici, hop. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas trier parce que du coup, souvent, je vais dans une boutique et vous avez tous les trucs dans la même boutique, après une autre boutique. Ça aurait été bien de pouvoir mélanger. Désolée pour la bruit de moto. Par contre, voilà quoi. Il y a du taf. Il y a 1724 articles. Quasiment que des projets Point de Croix. Il y a très très peu d'autres trucs, que ce soit des accessoires d'épée, des machins. C'est quasiment que des grilles Point de Croix. Le budget du coup, c'était de 6 euros et j'ai regardé bien avant. Et franchement, il y a vraiment de quoi faire avec 6 euros. Donc du coup, voilà, en fait, il y a 87 pages. Donc c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Je vous mets les petites pages au pif, comme ça vous voyez aussi pour les prochains concours. Mais vous voyez, en dessous de 6 euros. Alors si ça dépasse, pareil, on va dire 6,50 euros. Parce qu'il y a plein de trucs, c'est un petit peu au-dessus. C'est 6,25, 6,05. Donc on va dire jusqu'à 6,50 euros. Donc la gagnante, donc ici. Pour cette édition-là, donc c'est Caroline, elle devra choisir dans toute ma wishlist Etsy un modèle parmi tout ce qu'elle veut qui a un budget de 6,50 €. Voilà, vraiment, vous en avez pour tous les goûts. Ma wishlist est vraiment très, très, très variée et encore vraiment, là, je passe très vite sur quelques pages, mais on a. Ouais, ah, les motos, mais insupportables. On a de tout, du Harry Potter, du Disney, du Halloween, du Noël, du Nature, du Maria Brovko, du Rain Jones, du Barbie. Ouais, vous avez vraiment, vraiment de tout. Bon, là, c'est vrai qu'on est beaucoup dans les Harry Potter, mais vous avez énormément de choses différentes disponibles.
Et en sachant que je passe mon temps pour m'endormir en fait à regarder sur Etsy. Et donc des nouveaux modèles s'ajoutent tout le temps. Donc la prochaine édition de concours, ça se trouve, il y aura 10 nouveaux modèles en plus. Enfin, ça va être très dur de choisir. Moi, je lui dis bonne chance à Caroline. Je suis pas sûre que je lui ai fait un cadeau là. Parce que je lui paye la grille, mais du coup, elle va devoir réussir à choisir un seul modèle. Moi, perso, j'y arrive pas. C'est pour ça que j'ai organisé le concours. Mais voilà, vous avez vraiment pour tout le monde. Et c'est ça qui est chouette. Du facile, du moins facile, du sans point arrière, du avec point arrière, de tous les styles, tout. Enfin voilà quoi, c'est. Je pense que sincèrement, ça peut ravir vraiment tout le monde en termes de style, parce que y en a pour absolument tous les goûts quoi. C'est. Ma wishlist n'a aucune, comment on dit, concordance, enfin, n'a aucun lien, c'est. On passe de. Voilà, vous avez du Disney, vous avez du thé, là, on a une lune, il n'y a rien à voir en fait. Donc du coup, je pense qu'elle n'aura pas trop de mal à trouver un modèle qui lui plaît. En fait, je pense que malheureusement, elle aura trop de modèles qui lui plaît et le plus dur va être de choisir un seul. Donc du coup, voilà comment ça se passe. Donc Caroline, je te laisse m'envoyer. Donc le lien de ma wishlist Etsy est en barre d'infos. Je te laisse le temps que tu veux hein, pour choisir quelques jours, quoi. Enfin, et dès que tu as choisi ton diagramme, tu m'envoies le lien de ton choix et je l'achète. Et je t'envoie le PDF. Et ensuite, je l'achète pour moi. Parce que le but, c'est aussi que je fasse la même chose pour varier les plaisirs. Voilà. Donc, tout simple. Normalement, si t'as pas compris, t'hésites pas. Mais tu m'envoies un mail ou un Instagram, un MP sur Insta. Des fois, c'est un peu plus simple. Mais je sais pas si t'as Instagram. Mais sinon, un mail qui sera également en barre d'infos avec le pattern que t'as choisi. Et je te l'enverrai. Voilà. Bah, écoutez, j'espère en tout cas. J'ai vu que ce genre de concours vous a beaucoup beaucoup plu, donc c'est vachement cool. Donc j'en referai, enfin voilà, moi je trouve ça génial, je trouve que vraiment tout le monde est gagnant et donc il y en aura régulièrement. Si jamais également vous avez aussi ma boutique qui sera disponible, alors il y a qu'un échantillon de ce qu'il y a sur mon site, en fait je mets des petits trucs sur Etsy, mais la plupart du temps, enfin la grosse majorité est sur mon site en fait. Mais disons que si vous voulez prendre qu'un ou deux covers, au niveau des. Pour un seul cover, ça vaut peut-être plus le coup de passer par Etsy au niveau des frais de port. Mais au-delà d'un seul, bah autant aller sur le site, où en plus vous avez plus de choix. Voilà. Ça, je le dis, on fait toujours une petite promo au passage. Et voilà. Du coup, bah écoutez, ouais, j'espère vraiment que ça vous a plu. Soyez pas déçus de ne pas avoir gagné parce qu'il y en aura vraiment beaucoup, beaucoup de ce genre de concours. Ça va vraiment être une série de vidéos parce que je trouve ça trop cool. Voilà. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye.